serai ton marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Ce téléspectateur, attentif et pacifique, inconditionnel de Brassens, c'est Maxime Le Forestier, 24 ans, 3 fois disque d'or et numéro 2 au hit parade. Auteur, compositeur, interprète confirmé, le succès, loin de le griser, lui fait prendre des positions radicales. Maxime Le Forestier, grand ami de Moustaki et de Reggiani, est un pionnier du nouveau show business. S'il adore le musical, il déteste les affaires et son impresario a dû accepter ses conditions. Pas de cachet supérieur à 5000 francs, prix des places limité à 10 francs et parfois même des galas gratuits. Sa façon à lui de dire non à un certain profit, sa façon à lui de ne pas respecter les règles du jeu, en quelque sorte un franc-tireur. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Est-ce qu'on peut être un franc-tireur dans le show business? Oui. Oui, dans certaines limites, selon certaines limites, bien sûr. Oui, mais alors là, vous ne respectez pas tellement la règle du jeu, parce que si vous voulez être franc-tireur et quand même bénéficier de tous les avantages des chanteurs de variété, entre guillemets, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, là. Un franc-tireur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la règle du jeu, je crois. Non ? L'ami fait, après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles, comme un arbre dans la ville. Quand j'écris des paroles, j'essaie de les écrire le plus précisément possible. Et ça m'emmerde d'ailleurs, parce que j'ai vraiment un besoin physique d'écrire précisément, et mon envie sur scène, ce serait d'improviser des paroles. Et j'ai jamais encore été capable de trouver le joint. Donc vous voulez être à mi-chemin entre le feu de camp et le concert. C'est ça. Et puis je voudrais pouvoir parler le soir d'un truc qui m'a frappé dans la journée. Je voudrais être capable d'écrire une chanson aussi vite qu'un chansonnier. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des cerneaux. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Je pense qu'une bonne chanson d'amour, c'est politique à partir du moment où elle pique la place d'une mauvaise chanson d'amour. C'est-à-dire qu'il faut quand même se méfier des étiquettes. Étant donné que la contestation se vend bien, et se vend merveilleusement bien, il faut faire très 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 attention de ne pas faire de la démagogie avec la contestation. La contestation se vend bien parce que ça donne une bonne conscience d'écouter une chanson contestataire. C'est tellement plus pratique que d'agir. Ça donne bonne conscience de faire une chanson contestataire aussi, parce que c'est aussi plus pratique que d'agir. Alors, il faut, pour qu'elle reste efficace, il faut que la chanson dite contestataire reste sincère. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, refuser l'étiquette de chanteur contestataire ou de chanteur anarchiste, au profit de l'étiquette de chanteur tout court, et puis, au besoin, se servir de son boulot de chanteur, de la tribune qu'est la scène, pour dire ce qu'il y a à dire. Et ne pas dire que ça. Parce que sinon, tu deviendrais automatiquement pas sincère, à mon avis. Hein. Bon, très peu de gens peuvent contester systématiquement et rester sincères. Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans, tout ce qui veut. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Lors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes.
chanter le parachutiste, tu vois. Ça suffit pas de chanter le parachutiste. Faut encore que le parachutiste soit bien écrit, et faut encore que toutes les chansons soient le mieux écrites possible. C'est-à-dire qu'en gros, la contestation dans ce métier consiste, pour l'instant, le premier stade, ça consiste à ne pas prendre les gens pour des cons, d'abord. Ça, c'est révolutionnaire.